célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année, a été célébrée ce samedi 9 décembre 2023 en ville de Bounia, en province de l'Ituri, sous le thème international Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable par les personnes handicapées et le thème national La paix et inclusive sociale des personnes vivant avec handicap au processus électoral de 2023 pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Plusieurs jeux étaient organisés comme danse traditionnelle. Avec joie, les personnes handicapées ont présenté leurs besoins selon leur catégorie, les albinos et autres handicaps. Dans le mot de bienvenue, Madame Nema, la présidente de l'association, revient sur la journée du 3 décembre, a félicité la ministre déléguée à charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables pour son appui et son attention particulière aux personnes handicapées de la province de l'Ituri. Le mois de décembre, c'est un mois dédié à nous les handicapés. Cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement, à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique. Pendant cette période électorale, les handicapés qui ont postulé pour les élections du 20 décembre 2023 demandent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi représentativité des personnes vivant avec handicap, soit dans tous les niveaux. Même le président de la République, à la page à quoi même le gouverneur. Donc, moulement, vous n'avez pas tout ça, c'est pourquoi, à tout le monde qui a poussé, si tu veux tout parler, je vais vous aider à haki et à moulemavre. Quand vous êtes en Kono, vraiment tout à l'heure, si vous êtes en Kono. Au nom des gouverneurs de l'Ituri, le chef de division des affaires sociales félicite le numéro 1 de la province pour sa vision, celui de matérialiser le projet. Donc, cri de l'art s'adresse aux autorités provinciales de prendre en considération les difficultés de ces enfants à situation d'handicap. Cette journée est célébrée sous le haut patronage du ministre délégué à charge des personnes vivant avec handicap et la journée a été clôturée par un cortège et une photo de famille.